J'espère que vous avez aimé ce game, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Oh déjà, on est sur le ski, vous êtes prêts? Wow. Ah Jérémy, t'as faim ou quoi? Bah je suis prêt, présente-toi. Moi je m'appelle Donald Jérémy, je suis moniteur de ski donc depuis 4 ans. Je fais du ski depuis que j'ai 5 ans et donc je fais de la compétition. Donc là c'est parti, on fait du ski, prédiction pour la journée. Ça c'est humour. Moi je te dis que je suis pas tombé, je sens, tu vois, je suis pas tombé. Oui c'est ça, ouais. C'est 50, c'est ça? Pied de presse, ça l'a dit. Ah, il part en ski, c'est comme s'il partait en Alaska là. Le mollet il rentre. Le mollet il rentre. Ça, c'est bien cela? Le ski, c'est bon. Oh, oh, ce swag. Là, c'est les bretelles. Là, la baguette. Hop, alors les chaussures. Ça s'en a. Ok, là, on rentre. Ok. C'est plus compliqué que prévu là. Ah, ok. Allez, poulet. On va arriver sur les pistes, il sera 17h. Ah, ok. Ah, ah, une demi-heure après, ah, c'est pas mal. Je suis en nage, j'ai rien quand j'ai vu ça quoi. Ton manteau? Oh, ah oui, c'est paysan lui. L'accessoire pour les petites, ah oui. La trappe petite. Ça, ça fait tout ça. Et là, et attention, là on est bon. Ok. Ça fait quoi comme compétition? J'ai fait déjà les championnats de France. Comme projet dans le futur de courir les championnats du monde avec le Pérou. Peut-être même les JO l'année prochaine. Attends, le mec à l'aise. Attention, c'est glacé. Ah, on va essayer de pas tomber de suite. Je suis tellement pas dans mon élément. Et les bâtons sont coincés là. Je suis bizuté, regarde. C'est pas avec les bâtons déjà. Y'a que Thibaut qui fait ça. Ah. J'ai les orteils démontés déjà. Le mec est assisté quoi. Ok. Tac. Ok. Ok les gants. C'est good. Les bâtons, c'est bon. D'abord la pointe du pied. Et là t'as plus. Là t'as un petit. C'est chelou. 1m60. La taille de ma. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va commencer par la baby. Baby c'est le niveau assez élevé quand même. Je suis sur place. La journée va être longue. Quoi, c'est un télésiège ça? Tire-fesse. Tire-fesse. Chape-le. C'est chaud pour lui ou quoi? Va falloir, je pense que j'ai pas trop le choix. Donc tu vas faire ta première descente? Ouais. Donc, je vais voir un peu ce que tu sais faire. Ok. Attends, alors comment je tourne? Bien ça. Eh, hey, il est pas tombé, je suis déçu. Ok. Quoi c'est? C'est quoi le sport en fait? Pourquoi tu t'es lancé là dans le ski? Il y a des amis à mon père qui sont venus. Ils ont dit tiens ton fils, pourquoi il se mettrait pas au ski? Donc mon père il a dit qu'il peut essayer. Et donc il m'a mis sur les skis direct et j'ai kiffé. Direct? Direct quoi, c'était le déclic. C'était le coup de pec au premier regard ça? Ouais, exactement. On va prendre le métro à Paris quoi. Oh, oh, oh. Chasse-neige, ça, chasse-neige. Le chasse-neige ça va. Ça va, c'est un bien grand mot quand même. Ok. J'ai pas l'air super à l'aise non? Oula. C'est déjà tout souche. Comment on dit tout souche? Oh la vitesse. Oh là, je suis à fond là. Ah mais c'est bien, t'es à 10 km/h gros. Est-ce que le dos rentre dans le télésiège? Ok. Ouf. Bon, comment je me débrouille pour l'instant? Oh, je suis pas mal hein. Ça va, c'est une bonne base, on voit quand même. Il est sympa. Mais moi en fait, je te suis depuis ta vidéo sur le shaker. T'es en train de me dire que la première vidéo sur laquelle t'es tombé, c'est quand je me branlais dans la rue avec un shaker, c'est ça? Et tu t'es dit, ce mec là il est très con, alors je vais m'abonner. Tony? Ouais. C'est ce que c'est ça? Ça? Non? De la whey! De la whey! Wouhou! De la whey! Goût vanille. Donc voilà, on va partir sur la mer. C'est une verte ça, c'est noir ça, non? Ok. C'est magnifique en tout cas. Tournez. Tu veux pas dire un mot? Content de vous avoir connu! Ah! Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à freiner! Attends, y'a le panneau en bas. Ah, ça réveille. Pourquoi ça s'est arrêté là? Est-ce que ça veut dire qu'on va mourir ou... En fait c'est un peu le coup de la panne pour les petites. Vous savez quoi les gens? Moi ce que j'adore au ski c'est la neige. Regardez la piste en face là. Regardez-moi cette beauté. Là c'est quoi? C'est une autre baby c'est ça là? C'est bleu ça? Ah ouais. C'est parti. Allez gros. Ok. Putain je suis pas serein là. Putain je suis vraiment une merde. Ma gueule. Ok, là ça descend. Oula. Je vais mourir. Ah ah. Comment on freine? Oh, quand il nous a défoncé la pancarte. Je vais pas là, gros. On voit même pas le bout de la piste. Regarde. Tu as une photo? Ouais, bien sûr, mec. Attends, j'essaie de me démerder pour vous. Ah, faut mettre les skis comme ça? Vas-y, c'est chaud. Attends, j'essaye. Me lâche pas, hein. Oh. Oula, attends, mais c'est quoi? Attends, on voit pas le bout là. Est-ce que je peux dire non? Ok, là, j'ai trouvé une solution. C'est facile si on enlève les skis et qu'on y va en footing. Il y arrive quand même à se casser la gueule. Mais dis donc les gens. Donc là je crois qu'on est sur une petite rouge. Vous allez voir Thibaut. Attends, je vais aller sur la droite moi. Allez. Il a pas l'air de vouloir descendre. Alors là il est en mode méga chasse-neige. Moi je me bats les couilles hein. Je descends en chasse-neige. Ok. On est de la merde avec Thibaut. Allez Thibaut.
Ouais. Tranquille, tranquille. Ok, ok, ok. Comment on freine? Comment on freine? Tout droit, le ski. Quand on dit comment on freine? Et du coup, est-ce que pour tes compétitions, t'as des sponsors, toi? J'en ai pas vraiment. Et du coup, avec quelle marque t'aimerais bien être sponsorisé, toi? Avec Dynastar, si possible. Dynastar, ouais. Ou Signol. Donc, c'est des gens qui bossent chez Dynastar ou Rossignol qui regardent la vidéo. Ben voilà, un athlète à sponsoriser. Damn, les gens, j'espère que vous allez bien. Je pense fort à vous. Regardez cette gueule de vainqueur, les gens. Les oreilles bien décollées. Là-bas, les gens, une petite. J'ai descendu les trois quarts de la piste en chasse-neige, mais l'envie y était, le plaisir aussi, c'est le principal. Je suis pas mort, c'est aussi le principal. Et là, je sais pas, là, on monte encore plus haut, donc ça fait un peu peur, mais je dis rien pour faire genre. Ok. Ah. Regardez-moi ce galérien. Touchant. Oh, Thibaut, qu'est-ce que tu fous à poil? En fait, la combinaison est cachée un peu ce qui vient du bibi. Oh putain, merde, j'ai oublié mon ticket de métro. Ah oui, j'avais une question. J'ai une question à te poser, mais il y a ta petite à côté. Alors, bouge-toi les oreilles, bouge-toi les oreilles. Est-ce que quand t'es moniteur de ski, les petites, le moniteur, le ski. Ah, ski, est-ce que c'est facile? Un peu comme les pompiers. Voilà, l'uniforme. Moi, ça m'est jamais arrivé. Voilà, parce que tu as une petite qui est à côté, depuis que tu es amoureux. Voilà, mais un ami à toi. Mais voilà, j'ai des amis qui en soirée mettent la tenue. Et oui, ça aide quand même, il y en a certains qui s'en servent. Aucun nom ne sera cité, mais ça marche bien. Et donc là, c'est quoi? C'est un iceberg là, non ça? Paul Ribéry, CNN. Bon, c'est parti pour la rouge. Non. Ok. Oh, bon saut. Merci. Wow, la vue de ouf. Oh, non mais tiens, vous êtes pas sérieux. À l'aise gros ça. Mais c'est à l'aise de quoi? Mais regarde la hauteur. Mais je vais, c'est impossible. Mais je vais tomber. Mais oui. Attends, tu réalises pas la hauteur, mais montre-la la hauteur. Mais tu vois la hauteur ou pas? Nativo, il va faire la rouge. Je crois qu'il a la pression un peu. Enfin, je sais pas, je crois, si j'en suis sûr. Ok, c'est chaud là. Ah, et comment je tourne? Saute. Mais saute, je suis pas un kangourou. Rencontre à voler sur les pistes. Tu regardes les vidéos quoi? Désolé, j'ai pas l'air super en forme là. Ça va ou quoi? Non. Ça se voit tant que ça? On fera la photo en bas. Oh, enculé. Je crois que je suis tombé. Mais non, fais le tour du poteau. Non, ça c'est chaud mec, il y a une grosse descente là mec. Il y a des enfants de 10 ans qui le font gros. Eh ben, qui le fasse? C'est en bas dans une demi-heure, c'est cool. On bat les couilles, au moins je serai en bas vivant. Ouais, moi ce gros poisson là. Bon les gens, je descends. Ah, foiré! Un peu plus de dignité pour tes abonnés, quoi! J'en ai rien à foutre, ta dignité, tu m'entends? Ah oui, ça c'est beau, ça c'est pas mal, ça! Je m'arrête! Devant un abonné, quoi, bravo! J'ai mes abonnés, ils me respectent pas, ils me snap! C'est un peu plus compliqué que je l'imaginais, mais ça va, on essaie de faire le max! Thibaut, aujourd'hui après cette belle journée qu'on a eue, tu as mérité la magnifique médaille du piou-piou. Du piou-piou, premier échelon. C'est vrai. Voilà. Écoute, j'en suis très fier. Je vais même la mettre de suite. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Oh les gens, je suis pas tout seul. Je suis avec ma famille, Camille, Héloïse, Antoine, Baptiste. Et aujourd'hui, les gens, on va s'entraîner. Vous êtes prêts? Boum.